Actuellement à Siri. Une fois de plus, parler dans le micro. Dites au tribunal ce qui vous est arrivé. C'est venu au tribunal, non? Qu'on nous est bien. J'ai dit. Non. Et je dis pour la première fois. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. On est béni de Dieu. Le retour éminent, c'est à Dieu. Parce qu'il y a eu beaucoup d'âmes qui ont été ôtées là. Et c'est les personnes qui ont été blessées aussi. Ah, je dis là-bas. Allah fait Oyafo Fati Beben Kastarudo. Amen. Et je demande à ce que Dieu accueille leurs âmes dans le paradis et que nous aussi nous soyons dans la grâce de Dieu avant notre mort. Et je parle de Tierno Amadou ici maintenant là. Le temps qu'il a fait avec nous. Nous demandons à ce que tout ce qu'on a commis comme péché envers lui, que Dieu accepte d'effacer ça pour nous aussi. Je salue le président et tout l'auditoire ici présent. Ceux qui nous regardent à 10 ans et ceux qui nous écoutent maintenant. Okay. On ne pardonne pas ceux qui l'ont tué. On ne les pardonne pas, on ne les pardonne pas de tout. Ce n'est pas par rébellion seulement que nous avons été au stade. C'est ceux qui cherchent le pouvoir qui nous ont appelés là. En ce moment, on habitait Hamdallah, secteur 4. Le 28 septembre, on va y être. 8h, on va aller à la pharmacie Hamdallah, on va y aller. Le 28 septembre, le matin, à 8h, nous sommes venus à la pharmacie, nous avons déjeuné là-bas. Et on était avec Tierno Amadou Bella Diallo, celui dont je parle aujourd'hui là. Nous avons déjeuné là-bas, nous sommes rentrés à la maison. Lui il est resté avec mes amis dehors, moi je suis rentré me coucher à la maison. Après Tierno Amadou Oye Kassoudo, nous deux ans, on dit ah, Ali, donne le mandat, Ali, Jama, on va être en train de faire. Un instant, Tierno Amadou m'a aperçu, il dit bien, je vais te montrer quelque chose. Regarde la foule qui suit la route là aujourd'hui. Mais les gens, ça venait comme la pluie. Donc nous aussi on a porté les chaussures avec lesquelles on va au stade. Nous sommes partis avec ceux qui allaient au stade. Nous sommes allés jusqu'au niveau de la porte du terrasse. Les policiers cherchaient les gens sur l'esplanade là-bas avec les véhicules. Après colonel Chegoro Aroy. Après un instant, le colonel Tchegour est venu. Là où moi j'étais, il y avait une distance qui me séparait.
Moi, j'étais très éloigné, mais il a parlé avec les gens. Après, on vous quitte. Après, il est retourné. Après, non, il est retourné. Et non, il a une arme de sa vie, auditeur, estadon. Ceux avec lesquels il avait parlé, ils ont dit oui, il a dit qu'il va aller envoyer la clé pour ouvrir la porte. Mais moi, je n'ai pas entendu ça dire. Entre-temps, on a entendu les gens crier. Les portes sont ouvertes, les portes sont ouvertes. Après, nous sommes rentrés. Tierno Amadou, dont je vous parle comme ça, là, lui, je l'ai perdu de vue à la terrasse là-bas. Après, minati, ka pelouse, mi yai, ka tirbi. Je suis rentré à la pelouse, je suis monté à la tribune. Quand j'ai regardé un peu là-bas, je ne l'ai pas vu, je suis revenu à la pelouse. Quand je suis arrivé à la pelouse, entre-temps, j'ai entendu des tirs. J'ai vu des gens courir. Les gens rentraient en courant vers la pelouse. Les gens couraient beaucoup. C'était une débarrassade. Après, les policiers, j'ai vu entre temps les policiers et les gendarmes rentrer. Mais font si hakku de mabbe don kambe baytay baf dem udita menen ko don men yaltir donc il tirait donc nous on a foncé entre là-bas comme des portes étaient ouvertes c'est là-bas où nous sommes sortis ay mi ali ha am fe di bafal ngal aronal ngal don après mi don dimmo jango nu yanni mo kamago mi donc quand j'ai dépassé la première porte je suis venu trouver un ami qui était tombé à côté du mur mi ka tay mi fidama moi aussi, c'est une pierre qui m'avait cogné avec une pierre ici. Je saignais beaucoup. Donc, quand je l'ai vu coucher là-bas, j'étais fatigué. Je n'avais pas l'intention de le laisser là-bas. Moi aussi, je suis venu m'arrêter à côté de lui. Quand la foule s'est un peu diminuée là, mais bâti mon nom est minimo. Je suis venu, je l'ai rêvé, je l'ai soulevé maintenant. Aujourd'hui, il est assis. Ah, tu comptes avoir fait de voilà où il doit y avoir macco. Où tu es, voilà où il doit y avoir macco. Non, en ce moment là, il ne voyait pas devant lui comme ça là maintenant. Après, au minimum, ah, d'ali be wali be da, mais il cherche un autre moyen là. Il dit, regarde ceux qui sont couchés là. J'ai vu Tierno Amadou tomber là-bas. Mi fewni ha ka won don mi ndari mi tawi himo wali hore wobbe wobbe kadi no wali hore makko. Je suis parti là-bas, je l'ai trouvé, il est couché, il était couché sur d'autres étaient couchés sur lui aussi. Kono mi do andi ko borni kon ko dum mi yayi mo andi terde. Donc mais je connaissais ce qu'il portait. Ces habits là, c'est avec ça, à travers ça je l'ai reconnu. Mo borni est complet. Et mon dole que maillot couleur Sili zone. Il est couleur Sili national. Il portait des maillots couleur Sili national jaune. Et culotte kaki. Une culotte kaki. Et sandales étudiées. Et sandales et les paires sandales. Baimi podimo. Quand je l'ai tiré, Mwalini moda. Je l'ai mis comme ça à côté. Taï policier de Gonron, gradé de Moya. Il y a un policier gradé qui est venu. Il m'a trouvé là-bas. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, celui-là, c'est mon jeune frère. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais l'envoyer à la maison. Il dit, non, ça, c'est pas possible. Tu vois tous ceux qui sont couchés ici, là, tous. Ceux-là, on les envoie à Donka. Tous ceux qui veulent avoir leurs parents, ils vont aller à l'hôpital Donka. J'ai dit, mais est-ce que je peux prendre ces clés? Il dit oui,
J'ai pris ses clés, j'ai enlevé ses chaussures. Du woni ka jongo an. Là j'ai gardé ça en main. Hande ka di camion di di armoro. Il y a deux camions qui sont venus là-bas. Après jawni be don. On les a fait monter là-bas. Be yalti de mabbe. Ils sont sortis avec. Ha do mi hatti andude hande ka di bay be yalti men ka di mi yalti. Quand ils sont sortis, moi aussi je suis sorti, mais je ne savais pas leur destination, où ils étaient partis. J'étais accompagné de ces Alpha Ibrahim là. Nous sommes rentrés à la maison. Nous sommes partis jusqu'à la maison. On a fait la déclaration en famille qu'il est mort. Voilà les clés, voilà les chaussures. Mais moi, le coup qu'on a donné ici, les coups de pierre que j'étais comme cogné ici, là, je ne pouvais même pas tourner ici parce que tout ça là, c'était enflé maintenant. Le lendemain, la famille est partie à l'hôpital Donka. Donc, de là-bas, derrière la cour, c'était les militaires, on ne pouvait même pas approcher. C'est ce que je connais dans cette affaire-là. Ministère public, ici. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kernomo Amedou. Non. Vous, personnellement, vous avez reçu le coup antigi be fauna ma jungo ne min be fawal la jungo de ni non be fawal la jungo ils n'ont pas porté main sur moi. Vous n'avez rien reçu on vous a pas administré de coup be ko bi fi lan kon do dun kadi mi anda sa i wadi. Je ne sais pas, on m'a cogné ici. Je ne sais pas actuellement ici. Vous savez pas ce qui vous est arrivé ici. Anda kondo wadi do ko hayre ko hayre non, Saint-Pierre je sais que Saint-Pierre mi anda ko honto iwri goddo kadi mi raali dan jongo. Donc je ne sais pas, cette pierre là elle est venue d'où et quelqu'un ne m'a pas porté main aussi. OK. Kerno Amadou Diallo dont vous faites cas. Non. Il est votre frère. Kerno Amadou ko honno ema ko minyanga mi do bappa. C'est mon jeune frère, l'enfant à mon nom. Vous avez retrouvé son corps après, quand vous l'avez, le corps a été conduit à l'hôpital Donka. Il a fourré ma corps, fourré on là-bas Donka. C'est là-bas j'ai perdu vue du corps. De là-bas, on n'a jamais revu le corps. Vous n'avez pas fait le deuil, le corps ne vous a pas été restitué jusqu'à date. Mais Dieu ne t'a donc fourré on hahan. Mais Dieu ne t'a donc fourré on hahan, mais il a le mot hahan. Jusqu'à présent, on n'a pas vu le corps. Il était marié à l'époque ou il était allé au Yombali? Non. Alors, dans l'enceinte du stade, selon vous, c'est quand vous avez tiré le corps, puisqu'il était en bas d'autres corps. Non. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le corps? C'est une balle qu'il a reçue ou il a été. Il a reçu un coup? Ou le poignard ou le bâton. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le corps? Ko hakunde fureji wobbe no walno hore makko kan kan mo walno hore wobbe bay on sorti mo don hondun taskudo don e fure on o tufa ko kural ko hondun ko batte on do yino don haldi an yaltu be dande makko do don le sang le yanda. J'ai vu le sang ici. Vous avez vu le sang au niveau de la tête? Au niveau du cou. Du cou. Non. Ici là. Ça vous a laissé croire qu'il a reçu une balle? Nous n'avons rien, on n'a mis du noir et qu'on court à lui-même. Ah, mais il a le bateau qui est rendu comme il y a dans. Je n'ai pas vu des traces du balle, mais j'ai vu le sang couler. Donc, tout fait gâté. Et puis, c'est percé aussi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le parquet n'a plus de questions. La défense.